J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tuto album, mais cette fois-ci, on va faire un album 100% action ou 98% action. J'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, dans un ancien haul ces papiers-là et j'avais vraiment envie de faire un album avec. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai pris deux blocs. Dans ce bloc, j'ai déjà commencé à découper les petites cartes que je vais vous faire voir à l'intérieur. J'en ai découpé 4 que j'ai ancrées donc avec l'encre de chez Action et le blender donc de chez Action. Je joue le jeu à fond. Donc j'ai déjà découpé ça et j'ai déjà découpé toutes les petites cartes parce que là on va faire la couverture aujourd'hui ensemble. Donc du coup je voulais que tout soit prêt. Je vais me servir, chez Action il faisait ces blocs là, donc moi j'en ai deux. Je vais me servir du noir. Donc vous voyez j'ai déjà décroché les plus épaisses et du coup pour faire la couverture je vais prendre les plus fines qu'il y a, comme ça moi je suis sûre que ça craquera pas. Pour jouer le jeu du pas cher et récup, hein, j'ai pris du calendrier parce que moi je vais me servir pour que l'album dure dans le temps. Je vais juste me servir de la colle et du double face mais qui ne vient pas de chez Action. Pourquoi? Parce que pour ma part à moi, je n'aime pas trop la colle et le double face de chez Action, mais ça c'est que mon opinion à moi. Voilà, les autres, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en servir, mais bon, moi je préfère me servir de ma colle. Donc ça c'est celui où j'ai découpé déjà dedans. Je me suis servi, voilà, de ces étiquettes et de l'autre côté les petites cartes que j'ai déjà pré-découpées. Donc c'est parti, on va attaquer l'album. Donc avec les feuilles qu'il y a noir à l'intérieur, vous pouvez très bien aussi prendre ces feuilles là un petit peu blanches, beige je dirais, ou alors le craft, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai décidé de le faire en noir. Donc il va vous falloir 3 feuilles en A4 comme je vous ai fait voir dans le petit bloc, et dans toutes les feuilles vous allez venir mettre un bout de double face sur un des côtés. Donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir un morceau qui fait 6 cm sur 20. Moi, je l'ai déjà recouvert de double face. Donc là, vous le recouvrez de double face ou de la colle comme vous le souhaitez. Et il va vous falloir 2 morceaux de 20 par 20 que j'ai recouvert aussi de double face. En fait, je vais faire l'album exactement comme le Cosmos, sauf que le Cosmos était bien plus rectangle et là j'ai voulu faire vraiment carré, mais après l'intérieur sera exactement pareil mais adapté bien sûr au 20-20. Pourquoi? Parce que j'avais très envie de vous faire un album action et je sais que l'album Cosmos vous avez été beaucoup à l'adorer. Il est très simple, vous allez voir que mon tuto là je vais pas faire beaucoup de rabat et ça va vraiment être un album vraiment débutant. Si vous venez d'attaquer le scrapbooking ou que vous voulez attaquer le scrapbooking, cet album là je pense qu'il est fait pour vous. Et avec, voilà, j'ai gardé ce petit morceau. Si vous n'avez pas le kit comme ceci, donc je vais vous faire voir, j'en ai fait une revue, je vous le remettrai en petit tout simplement sur le kit de reliure. Si vous n'avez pas ce kit, de toute façon le lien il est en barre d'infos si au cas où vous voulez le procurer, et ben j'ai pris un petit morceau qui fait 0,5 et je vais jouer le jeu à fond. Je ne vais pas me servir de mon kit reliure aujourd'hui, je vais vraiment me servir de ça et je vais pas faire les angles non plus comme je fais d'habitude. Je vais prendre ma règle, et le cutter aussi qui vient de chez Action. Je joue le jeu au maximum, comme je vous ai dit, la seule chose que je vais me servir moi ça va être de ma colle et de mon double face qui va être ici et la colle ici, et après voilà, et ma paire de ciseaux parce que j'aime bien ma paire de ciseaux, mais après le reste comme je vous ai dit tout vient de chez Action. Eh ouais, je joue le jeu au maximum. Donc c'est parti, je vais vous faire voir déjà ce qu'il faut que vous fassiez en premier. Donc, et je prends mon petit pic aussi hein, mais bon ça c'est parce que moi j'ai des ongles, j'arrive pas à l'enlever sans le pic. Donc il va vous falloir tout simplement enlever le double face de une. Je vais retourner ma feuille, je vais venir m'aligner en bas par rapport au double face et je pose tout simplement. Et là c'est collé. Si vous n'avez pas de double face, prenez de la colle, il n'y a aucun problème. Donc on fait la même chose pour l'autre. Et en plus je vous ai dit que sur une il fallait du double face, mais il ne fallait pas de double face. C'est pas grave.
Et voilà, on a collé nos trois parties ensemble. Donc vous voyez, moi j'ai toujours un endroit où il y a du double face qui sort. Donc j'ai retourné tout simplement mes feuilles. Et maintenant, hop, on va venir calculer un petit peu où c'est que je veux être. Mais faites surtout attention, ne pas tomber ici, voilà, dans le pli. Voilà, il faut faire très attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites marques. Donc je vais prendre ma règle et je vais faire des marques. On va prendre 3 cm pour être sûr d'avoir large de partout. Donc 3 cm... Je trace un pli, donc ça va nous aider tout simplement à savoir où mettre notre cartonnette. Et je fais exactement la même chose en haut. Je fais 2 marques pour rester bien droite. Pour l'instant, je laisse là. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller. Vous voyez ici, j'ai l'angle, je ne sais pas si vous le verrez bien. Je vais venir m'aligner et je vais venir le coller. Donc tout simplement, moi je vais enlever mon double face. Si vous n'avez pas de double face, comme je vous ai dit, vous prenez de la colle. Mais prenez quand même une colle qui tienne très très bien et qui ne gondole pas. Moi je ne voulais pas m'aventurer dans celle de chez Action parce que je trouve pour ma part qu'elle gondole. Après voilà, je n'ai pas acheté les dernières qui étaient sorties. Alors là je m'aligne, je vous parle en même temps. Je regarde que je sois alignée. Je ne suis pas alignée en haut, mais c'est pas très grave pour 1 mm. Ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai préféré faire au double face. Mais veillez, si vous mettez au double face, qu'il y en a bien de partout. Et de la colle aussi. Comme ça, ça ne vous fera pas de bulle d'air. Maintenant, on va prendre notre petit 0,5. Si vous n'avez pas le T, comme je vous ai fait voir. Et on va venir le mettre ici, sans le coller. Et là, tout simplement, on va venir prendre notre morceau de cartonnette et on va enlever notre double face. Et là, on reste bien appuyé. Donc, c'est tout de la même grandeur. Donc, c'est impeccable. Et on appuie. Et j'ai juste à enlever mon petit 0,5. Si vous n'avez pas le kit, vous pouvez procéder de cette manière-là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais m'aligner ici. Donc, j'aurai toujours mes 3 cm. Il n'y a aucun problème. J'enlève la cartonnette. Après voilà, carton double face ou colle, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vous qui voyez ce que vous êtes le plus à l'aise. Moi je vous avoue que je suis très à l'aise avec le double face, donc, et puis bon, je trouve que ça tient beaucoup mieux dans le temps, mais et puis ça sèche surtout très vite, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc là, voilà, je m'aligne, je regarde que je sois bien alignée, comme ça, je sais que je suis droite de partout. Et là, on peut enlever notre petit morceau qui fait 0,5. Maintenant, vous pouvez le garder pour les prochains albums. Moi, je le mets à la poubelle parce que j'en ai plus besoin. Et là, ce qu'il va vous falloir faire, tout simplement, moi, je ne vais pas calculer 3 cm. Je vais faire ça. Et je vais venir surtout prendre mon cutter qui vient de chez Action. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui est vendu dans cette petite boîte. Ça, on ne le gaspille pas. Vous pourrez vous en servir pour plus tard. Et là, on va faire exactement la même chose. Pas besoin de prendre forcément un stylo. On fait ça. Vous aurez pu faire la même chose en haut, hein, finalement. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Donc là, j'ai mal coupé. Et voilà. Là, vous voyez, c'est le petit raccord. J'ai eu du mal, voilà, à couper. J'ai même très mal coupé, je trouve. Bon, de toute façon, ça, ne vous inquiétez pas, on ne le verra plus. Et voilà, on a tout notre contour qui est fait. Forcément, ici, j'ai 3 cm et ma règle, j'ai beaucoup plus. J'ai 3,5, allez, à 5 mm. C'est parfait. Et là, maintenant, on va couper tout simplement les coins. Donc, en principe, j'avais mon ustensile qui me laissait à peu près 3 mm sur le côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme je peux. Hein, c'est toujours compliqué à filmer. Il existe aussi des tutos hein, pour les fabriquer, hein. Ça c'est vous qui voyez. Moi, soit vous faites comme ça en triangle, et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, donc je prends à peu près, je sais pas, je dois avoir 3 mm, quelque chose comme ça, j'espère que vous verrez bien. Et tout simplement, je vais venir couper. Donc, soit vous coupez comme ça, soit vous coupez, en fait, vous prenez le ciseau, vous coupez là, et après vous recoupez là. Ça ne sera pas vraiment en triangle. Moi, là, je vais vous faire voir comme ça pour ce tuto. On fait la même chose de partout. Je vous avoue que quand on a l'habitude
de l'outil, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, je veux jouer le jeu à fond dans ce tuto d'album qui soit axé vraiment pour tous les débutants et débutantes, parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus qui se mettent au scrap et c'est juste génial. Et on fait la même chose pour le troisième. Et voilà, on a nos petits angles de fée. Maintenant, à la base, j'avais mon petit plioir comme ceci que je relevais et je faisais comme ceci, tout simplement pour m'aider. Vous avez aussi les plioirs comme ça, hein. Moi je vais m'en servir, hein. Je vais être obligée de m'en servir, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là, pour m'aider à relever, je vais prendre une simple règle. Je me mets dans la peau de personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel de scrap. Donc je relève les deux côtés. Donc je me mets bien contre la cartonnette et je relève et j'appuie. Et je vais faire la même chose sur le côté. Donc sur les grands côtés, c'est sûr que forcément la languette sera beaucoup plus grande et j'appuie tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Donc là, par contre, je vais mettre du double face qui ne vient pas de chez Action. C'est ce que je vous ai dit. Mais vous prenez ce qui vient de chez Action. Et voilà. Et là, on a plié nos quatre côtés. On peut bien insister, sans trop insister non plus pour ne pas casser tout simplement votre papier. Donc là, moi, je vais mettre du double face. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez de la colle. Il y a pas de souci. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Donc je dépasse, je vais venir couper après les coins. Donc là, je suis partie un petit peu de travers, mais ce n'est pas grave. Moi, il est épais, mon double face, donc c'est parfait. Autrement, voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas, là, le petit endroit où il n'y en a pas, on viendra mettre de la colle. Là, je fais tout le contour avec ça. De la colle, ou alors vous allez voir qu'on va couper des petits morceaux qui étaient en trop. Donc on pourra se servir de ces petits morceaux. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et le dernier en bas. Après, là, vu que c'est du papier pas très épais, vous pouvez mettre de la colle. Je pense que ça ne bougera pas dans le temps. Donc, vous allez voir qu'en retournant, on s'aperçoit que du coup, il y a des endroits où il y a trop de double face. Donc, je l'enlève maintenant, mais que sur un côté, je garde les petits morceaux. Vous voyez, j'essaye de m'aligner un maximum. S'il en dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Et on va tout simplement venir enlever l'opercule qui est ici. Et comme ça, on va voir aux endroits où il n'y a pas de double face. On va pouvoir le superpositionner. Vous voyez ici, j'ai un petit morceau où il n'y en a pas. C'est pas grave, je reprends mon petit triangle. Je l'enlève. Et ici, pareil. Ici, on n'en a pas. On appuie bien. De toute façon, ça, cette étape-là, on ne verra plus rien. Et là, il va falloir tout simplement bien tirer. Et là, que j'ai pas, je ne me sers pas de ma petite raclette. Et appuyer. Et voilà. Là, on peut se servir du plioir. Mais si vous n'avez pas de plioir, servez-vous de ce que vous avez. Et voilà. Là, tout est bien collé de partout. On va faire la même chose en haut. On va enlever notre petit morceau qui dépasse. On le garde de côté. Ici, pareil, pas de gaspillage. On retourne. Donc, il est collé ici. Moi, je le garde de côté pour ne pas le perdre. Et je vais enlever tout simplement. On appuie bien. Donc là, vous voyez, avec mes ongles, j'ai un petit peu coupé le double face. Mais ça, ce n'est pas grave. Et on a tout simplement la même chose que tout à l'heure. Ici, je vois que j'ai un endroit. C'est important d'en mettre de partout parce que ça risque de se décoller et surtout se voir. Et c'est pas très 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 joli. À faire un album, autant le faire parfaitement de partout. Et vous voyez, ici, c'est pareil. Il me manque un petit morceau. J'appuie et je soulève. Et là, je remonte. Et ça y est, c'est plié.
c'est plié et c'est collé. Voilà. Moi, j'insiste bien avec ça. Vous pouvez venir commencer tout doucement à assouplir votre tranche. Hop, vous voyez, hein, ça ne gondole pas, rien du tout. Hein. C'est vraiment ça pour le double face. Vu si ça colle instantanément, et ben c'est vrai que ben, c'est super. Donc là, par contre, je ne vais pas avoir besoin de mes petits triangles. Mais mes petits triangles peuvent me servir à n'importe quel moment de l'album. Donc, je les laisse de côté. Je ne les jette pas. Et là, on va faire la même chose de ce côté. Je suis toujours en train de chercher mon pic. C'est une catastrophe. Et on enlève notre double face. On rabat nos petits angles ici. Voilà, avec l'ongle, pour avoir un angle parfait. Si on a l'outil comme moi, c'est vrai que les angles parfaits, vous les avez directement. Voilà. Et on va avoir un angle parfait. Et on fait exactement la même chose de ce côté. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai beaucoup plus de double face, mais ce n'est pas grave. Je vais l'enlever. On tourne. Je suis désolée, vous entendez souvent mon pchit dans les vidéos. Vous voyez, j'enlève et ça c'est pareil. Hein. Ce morceau de double face là, je le garde, je ne le jette pas. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et après, on enlève notre dernier morceau. Vous voyez, c'est super rapide de faire une structure à moindre coût. Voilà. Et ma structure est faite. Et vous voyez, elle ne gondole pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc forcément, vous avez les raccords hein, des papiers que j'ai collés entre eux. Mais vous inquiétez pas, on va de suite aller le recouvrir. Moi, pour jouer le jeu à fond, je ne vais pas mettre de ruban. Et je ne vais pas mettre de fermeture à cet album. Je veux qu'il reste tel quel. Voilà, quand on le pose, bon là, forcément, il n'y a pas de poids. Donc il part un peu de travers. Mais encore de travers, voilà. C'est juste que voilà, je l'ai posé comme ça. Mais voilà, je veux vraiment un album à moindre coût. Que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour faire cet album. Je verrai par contre si je mets de la dentelle etc hors caméra, ça sera la grande surprise, mais de toute façon tout viendra de Action et bien sûr je vous le dirai. Donc pour la structure c'est bon, il vous suffit maintenant de venir prendre un rectangle. Donc ce rectangle, je veux qu'il fasse 2 cm de plus de chaque côté, donc je veux qu'il fasse 11 cm sur 19,5. Donc un morceau de 11 cm sur 19,5. Donc voilà, mon morceau il est ici, on va venir le coller. Alors là c'est pareil, là c'est un morceau qu'il va falloir faire très attention, il va falloir bien le coller et pas laisser d'endroit sans colle ou sans double face. Donc moi je reprends mon un petit peu plus large, je me mets vraiment le plus possible sur le côté, s'il reste un petit millimètre ce n'est pas grave, et je retourne et je vais couper tout simplement. Parce que là, si vous avez des bulles d'air, alors là, c'est une catastrophe. Ça sera vraiment pas joli. Donc, je laisse quasiment pas d'écart entre mes doubles faces pour pas que ça fasse de bulles d'air. Donc, pareil pour votre colle. Hein. Donc, vous voyez, hop, je fais doucement et je coupe avec le cutter. Vous allez voir qu'à la fin, du coup, je vais me retrouver avec un petit morceau, mais qu'on va venir mettre un petit peu de double face. Donc, par exemple, j'aurais pu me servir de ce morceau-là, qui aurait pu être pas mal du tout. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, je ne gaspille pas le petit morceau qui me reste de tout à l'heure. Vous voyez, il chevauche sur l'autre, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais prendre un petit morceau de double face, comme ceci, et je vais venir tout simplement enlever l'excédent, parce que là il faut vraiment qu'il n'y a aucun endroit sans double face, vous voyez, et ça se coupe très bien. Le double face, de façon au cutter ou au ciseau, se coupe très bien. Donc j'ai tout recouvert. Là, il va vous falloir bien vous aligner, que vous avez bien les 2 cm de chaque côté. Donc pour ce faire, moi je m'aligne, je vois qu'en haut j'ai la même.
j'ai autant de millimètres en haut que en bas. Ici, je suis pas mal niveau de chaque côté. Je reste. Donc là, il vous reste plus qu'à venir coller celui-ci et le dernier. Donc c'est sûr qu'il faut prendre son temps, moi je dirais, pour faire vraiment la structure. Ne le faites pas rapidement, prenez votre temps, décollez vos papiers vraiment doucement, pliez doucement. Donc vous voyez ici, moi le double face, ça a pris directement. Je vais venir prendre mon plioir, ici je sais que j'ai ma petite, ici voilà, j'ai mon petit creux. Et tout doucement, je fais vraiment très 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 doucement et je remonte, vous voyez. Et là, j'ai aucun problème. Et là, on va faire la même chose. Donc, ma pliure est ici. Donc, j'y vais doucement. Je relève. Et voilà. Si vous ne laissez pas assez d'espace dans votre pliure, déjà, ça va se casser et vous ne pourrez pas le remonter vraiment entièrement, vous voyez. Et moi, ça ne s'est pas cassé. Vous voyez comme c'est bien plat. Il n'y a pas d'endroit où c'est boursouflé, etc. Que ça n'a pas gondolé. Voilà, c'est impeccable des deux côtés. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous voyez par exemple ici, j'ai pas bien fini de coller. Donc, hop, on appuie. Et maintenant, on va tout simplement venir décorer nos parties. Parce que la reliure fera l'objet de la première vidéo de la page, parce que cet album-là comportera que 3 pages, parce que dans mon album Cosmos, il n'y avait que 3 pages, et des petits trucs entre, mais ça, je vais vous laisser après avec la suite. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre des papiers. Donc, il va vous falloir 2 papiers, donc même 4 papiers, du coup, on va avoir exactement la même grandeur à l'extérieur et à l'intérieur. Il va vous falloir 4 papiers. Donc moi je veux du bord noir pour cet album là, pour que ça ressorte. Je vais prendre 4 papiers qui vont faire 19,5 sur 19,5. Donc il va vous en falloir 4. Il va vous falloir pour l'intérieur l'intérieur non, pour l'instant on va pas en mettre. Par contre, on va mettre pour l'extérieur. Donc l'extérieur, hop, on fait comme ça. Je veux un papier qui fasse 6,2 sur 19,5. Mais pour aller un petit peu plus loin, je ne vais pas prendre 19,5. Donc on va prendre 4 papiers qui vont faire 19,7 sur 19,7. Et on va prendre un morceau de papier qui va faire 6,2 sur 19,7. Donc vous collez vos 19,7 fois 19,7 ici, ici, ici et ici. Parce que dedans on va laisser tel quel. On mettra juste un petit embellissement comme ça pour faire débuter, pour pouvoir mettre délivré. Ça va être une décoration très classique pour les débutantes. Donc et après vous venez mettre votre 6,2 ici. Et par contre l'intérieur on ne met rien du tout, on décorera ça à la fin de l'album. Donc je prépare mes papiers et on va les coller ensemble. Et voilà, j'ai mes petits morceaux. Donc pour l'extérieur et le dos, j'ai choisi ces 2 morceaux-là. Et pour la tranche, j'ai choisi très sobre. Et l'intérieur, ça sera très sobre aussi. En fait, c'est exactement les mêmes papiers qu'ici. Donc maintenant, on va prendre... Notre album est ici. On va venir prendre tout simplement nos encres. Donc moi, je vais ancrer uniquement tout ce qui va être petite carte, comme je vous ai fait voir au début du tuto. Et juste pour la structure de l'album... Après l'intérieur, je ne suis pas sûre du tout d'ancrer tous les papiers. Donc vous voyez, j'ancre. Je vous fais voir comment j'ancre. En fait, ça évite que vos bords soient blancs, tout simplement. Après, vous pouvez aller un petit peu plus sur le papier. Moi, je vous avoue que je préfère de plus en plus ne plus ancrer. Mais là, j'ai envie de jouer le jeu, de prendre du matériel de chez Action. Mais voilà, je ne vais pas ancrer l'intérieur. J'ancre vraiment juste pour la couverture. Et voilà. Ces pattes d'encre, en tout cas, sont très très bien. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et maintenant, on va venir coller. Donc, on va venir coller déjà nos 2 morceaux à l'intérieur.
Donc là, libre à vous, double face ou colle, c'est comme vous souhaitez. Donc on va venir le coller, un comme ça et un comme ça. On va garder, ou alors dans l'inverse. Ouais, on va plus garder les petites taches. C'est exactement les mêmes morceaux. Hein. J'ai coupé les deux mêmes morceaux. J'aime bien procéder comme ça. Moi, là, je vais prendre de la colle. Mais si vous avez du double face, prenez, si vous voulez, du double face. Là, j'ai enlevé mon petit embout. Tout simplement parce que là, c'est un espace où il faut beaucoup, beaucoup de colle. Donc, je préfère prendre sans mon embout. Donc pareil, moi la colle, au cas où, s'il y a des personnes qui veulent investir dans une colle comme ça, elle vient de la boutique Bricot et Scrap. Le lien, il est en barre d'infos au cas où. Et on appuie bien. Je prends mon plioir ou alors vous prenez une carte bleue, une carte de fidélité. Vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Vous voyez, moi j'ai un petit peu de la colle qui ressort. Si ça ressort, vous prenez soit une lingette pas trop humide ou alors un petit bout de sopalin. Donc voilà, là c'est bien collé mais je ne touche pas. On fait exactement pareil de la même. On fait exactement pareil de l'autre côté. Donc là on met aucune fermeture, donc du coup ça va être beaucoup plus comment dire. Il n'y a pas besoin de mettre la fermeture maintenant. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous voyez, là, par exemple, j'ai de la colle de partout, mais j'enlève directement avec mon petit morceau de papier. Et voilà, comme ça, ça ne fait aucune marque. Donc là, vous voyez, par contre, je vois que j'ai collé de travers. L'avantage, j'ai collé avec de la colle, et ben je peux venir le décoller. Parce que là, en plus, c'est du papier noir. Si je colle de travers, et ben on va voir que ça. Donc là, vous inquiétez pas. Je veille bien juste que je refasse pas la même bêtise. Donc, avant de coller de partout, c'était là que j'étais de travers. Donc, là, bien sûr, il y a de la colle de partout, mais c'est pas grave, on enlève. Et voilà. Donc, on appuie bien, vu que c'est fait avec... on colle avec de la colle, c'est bien. Voilà, j'insiste bien pour que la colle vienne sur les côtés et l'intérieur est fait. Et maintenant, on va venir coller. Donc, je le remets comme ça. Vous voyez, il reste bien à plat. Hein. On va faire la même chose. Donc, on va venir coller ici notre premier morceau. Donc, pareil, avec de la colle. C'est vrai qu'en principe, je mets toujours au double face la couverture et l'intérieur. Mais là j'ai changé. J'ai pris avec la colle et vous voyez, je veux la même distance en haut et en bas. Donc vous voyez là, j'ai mis de la colle, je l'enlève directement pour qu'elle ne fasse aucune marque. Et voilà, on appuie bien, ça fait sortir la colle. Et voilà, et là maintenant du coup, on va choisir qu'est-ce que je vais mettre sur la couverture de devant et qu'est-ce que je vais mettre sur la couverture de derrière. Ben, j'ai bien envie de mettre celui-ci devant. Bien sûr, je viendrai l'agrémenter. Hein. Je vais venir mettre un petit sentiment devant qu'on va venir mettre après. Je mettrai sûrement un petit peu de glossy accent. Mais vous, si vous n'en avez pas, que vous êtes débutante, vous mettez rien. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous scraperez la même collection en même temps que moi. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Donc... faites aussi par rapport à vos papiers. De toute façon, il se suffit à lui-même. Hein, ce grand papier, c'est magnifique. Moi, par contre, je viendrai mettre des petits angles que je vends sur ma boutique. Donc, je vais venir les mettre tout à l'heure avec vous. Mais après, voilà, vous prenez ce que vous avez. Donc là, j'ai bien collé le devant. Et maintenant, je vais venir coller le derrière. Et là, on s'aligne bien.
Bien, moi je m'aligne toujours sur les côtés. Dès que je sais que je suis plutôt pas mal, et ben hop. Et voilà. Maintenant, je peux appuyer. Et vous allez voir que ma colle n'a pas du tout gondolé. Là, vous voyez, j'ai de la colle qui continue à sortir. Ça prouve bien que ça va aller dans les angles, donc c'est impeccable. Et voilà. Et notre, du coup, notre décoration est terminée. Hein. Si vous voulez laisser un album déjà tel quel, je trouve que ça se suffit à lui-même. Hein. C'est vraiment très 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 joli. Donc là, on va venir prendre un petit sentiment. Comme je vous ai dit, j'ai déjà prédécoupé plein de petites cartes. Donc on va juste voir. Je vais venir juste mettre moi ici un sentiment sur le côté. Comme ça, on pourra venir glisser un petit livret. Et je vais mettre la même chose à la fin. Voilà, on va mettre ces deux pour coordonner. Donc soit vous mettez avec de la colle, soit vous mettez avec ce que vous voulez. Donc moi là, il faut que je mette de la colle comme ça, tout simplement pour aller dans l'angle. Donc les petits livrets, je vous expliquerai dans la première partie du tuto des pages comment les confectionner. Vous inquiétez pas, c'est très facile. Hein. Et comme ça, vous pourrez venir en mettre. Donc là, je viens de coller, c'est compliqué. Vous pourrez venir les glisser ici. Mais je vais vous faire voir. Et là, il faut que je colle sur ce côté-là. Veillez bien à coller sur les bons côtés. Et voilà. Je fais quelque chose de très simple. Et ici, c'est bien, c'est bon. Donc, les deux livrets, qu'est-ce qu'il va vous falloir faire? Il va vous falloir prendre un morceau qui fait 15 cm sur 22 et on fait tout simplement un pli à 11 cm et on plie. Donc, moi, pour les livrets, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais venir juste les décorer juste sur la partie de devant pour laisser place pour mettre 3 photos qu'on viendra glisser tout simplement ici. Et ici, et c'est ce qu'on va faire, hein, je vais venir mettre du papier imprimé avec vous. Et pour la couverture, déjà, ce que je vous expliquais, je vais venir mettre des petits angles. Donc ça, c'est facultatif. Moi, c'est parce que moi, je l'ai fait, je l'ai créé moi-même et je les vends sur ma boutique. Donc du coup, je vais mettre des petits angles pour agrémenter tout ça, parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je veux mettre que deux angles, vous voyez, je vais mettre que deux angles comme ça. Non, alors que je prenne les bons, hein. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, on va les mettre comme ceci, ou alors on aurait pu très bien prendre l'opposé et les venir les mettre, ouais, on va mettre plutôt dans ce sens. Et on va venir mettre pareil de l'autre côté. Donc là, moi, je mets de la colle un petit peu par-ci, par-là, je m'en suis mis de partout, mais c'est pas grave. Et on va venir directement coller. Donc, le bois se colle très très vite. Vous voyez, là, je suis venue coller celui-ci. Je l'agrémente avec des produits en bois parce que je trouve que cette collection de papier se marie très très bien avec le bois. Mais moi, c'est parce que je le crée comme ceci. Mais vous, vous le créez avec ce que vous avez. Donc, voilà, j'ai mis mes petits angles. Et par contre, là, je vais faire l'opposé. Donc, je vais venir en mettre... Là, je vais le mettre un comme ça parce que là, ça fera pas très joli. Et je vais venir le mettre ici. Donc, je touche pas. Je le laisse prendre et je vais le mettre en bas, tout simplement. Et voilà. Donc là, on voit un petit peu la colle, mais elle colle claire, donc... On ne la verra plus, vous voyez, ça décore un petit peu. Ce que je vais venir faire, c'est que maintenant, je voulais mettre une petite étiquette derrière, mais je pense que non. Les étiquettes, on va les garder pour dedans. Et par contre, je vais mettre une petite étiquette devant. Qu'est-ce que je vais mettre comme étiquette Beautiful, je crois qu'il y a marqué. Ben, nature. Nature me plaît bien. J'en veux pas une très 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 grand. Voilà. On va prendre une nature, ça sera parfait. Et on va la mettre, je cherche à l'endroit, on va la mettre par ici. Ça sera plutôt pas mal. Par contre, cette fois-ci, moi je vais mettre de la mousse 3D. Donc, la mousse 3D qui vient de chez Action. Donc, celle-ci, elle est toute neuve.
Donc, il y a plusieurs épaisseurs. Donc, je vais prendre l'épaisseur... Je vais prendre l'épaisseur du milieu et je vais venir tout simplement en mettre de partout. Donc, soit vous l'avez en rouleau, soit vous l'avez comme ceci. Moi, c'est vrai qu'avec les ongles, je galère toujours un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Hein. Et on va en venir en mettre ici et ici. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est très, très épaisse. Et après, voilà. On a juste enlevé notre petite, nos petits morceaux. Vous voyez, avec rien du tout, j'ai pu créer un album à moindre coût. Déjà là, on a fait la structure et vous voyez, je colle bien. Si vous voyez que ça se décolle au cas où, dans le temps, les petites mousses comme ça, vous mettez un point de colle. Et voilà. Notre couverture du coup est terminée. Bon, je crois juste que je suis pas très droite. Voilà, là ça va un petit peu mieux. À moindre coût, vous voyez. Bon, j'aurais pu très bien mettre d'autres petites choses, d'autres embellissements. Moi, je vais laisser tel quel. Je mettrai juste un embellissement en bois de fait main derrière. Sur le côté, pour l'instant, je ne fais rien du tout. À voir si je ne mettrai pas une petite décoration. Ça, on verra à la fin de l'album. Et là, juste, on va venir décorer par-dessus, ici, nos papiers. Donc, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire... 10,5 sur 14,5. Donc, deux morceaux de 10,5 par 14,5. Donc, je vais jouer le jeu à fond. Il me reste deux chutes comme ça qui font quasiment, un peu plus de 10,5. C'est pas grave. Et là, je vais prendre sur un peu plus de 14,5. Et on va se servir, du coup, de ces deux chutes de papier pour tout simplement agrémenter nos deux parties ici. Et là, il vous reste juste à venir le coller. De faire des livrets comme ça, ça vous permet de mettre beaucoup plus de photos dans des albums. J'aurais pu laisser les emplacements tels quels, mais je trouve que pour offrir, c'est quand même mieux d'avoir les petits livrets qui vont avec et qu'on puisse mettre directement des photos et que pas les personnes mettent les photos comme ça. C'est pour ça que je trouve que faire des livrets ou des tags, c'est beaucoup mieux. Dans cet album, il n'y aura que des livrets. Il n'y aura aucun tag. Ça sera que des livrets. Et là, vous voyez, je viens poser l'autre morceau. Et voilà. Comme ça, les personnes ici laisseront tel quel le papier. Et l'intérieur, elles pourront venir mettre trois photos de chaque côté. Bien évidemment, imaginez que ça, c'est une photo. Elles peuvent venir aussi venir coller une photo en plus du livret ici. Ça, c'est... Ou alors, j'aurais pu très bien venir coller mon livret derrière et ouvrir comme ça. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de la colle qui a dépassé. Et voilà. Et je viens le glisser ici et il tiendra parfaitement. Vous voyez, ça tient et ça ne bouge pas parce que tout simplement, ma découpe, je suis venue directement la coller ici. Et je n'ai pas laissé de mousse 3D, etc. Parce que si je laissais de la mousse, eh bien, bien évidemment, eh bien, ça aurait laissé de l'épaisseur. Et ça bougerait. Donc voilà la première partie en tant que débutante pour cet album de chez 2 Actions. J'espère que cette première partie vous aura plu. Moi je vous laisse avec la première page qu'on va réaliser dès le lendemain de ce premier tuto. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.